Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Naruto Ninja Storm 3. Si vous n'avez pas suivi mon épisode sur Tomb Raider, je vais vous expliquer. J'ai changé un petit peu ma disposition au niveau de ma console, de mon PC. Tout est regroupé dans une même pièce. Alors, je fais quelques tests, hein, donc ça peut expliquer que le fait que le son soit un petit peu, peut-être un petit peu caverneux, ou du moins que vous ressentiez qu'il y a peut-être un tout petit peu d'écho dans ma voix, parce que c'est pas une pièce qui est remplie, donc elle est peut-être un petit peu vide. Mais voilà, je vais vraiment essayer d'arranger ça au fur et à mesure. Ensuite, pour le moment, je suis obligé d'arrêter le face commentary sur certains jeux. Parce que il faut que j'utilise mon ordinateur portable et je peux pas l'utiliser tout le temps pour le face commentary maintenant que je suis placé comme ça. Donc j'attends de pouvoir m'acheter une nouvelle webcam. Donc ça devrait arriver d'ici une petite dizaine de jours normalement. Vous aurez encore quelques face commentary, mais pas autant de face commentary que d'habitude. Donc déjà sur les Naruto, comme je l'enlevais pendant le jeu, bah là je vais pas en faire. Je vais essayer de les garder pour PES et pour NBA, hein, vraiment essayer de conserver le face commentary pour ces jeux-là. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas trop le son du jeu dans le micro avec lequel j'enregistre. J'espère réussir à caler ça comme il faut. Alors, voyons voir un peu. Bon, de toute façon, à mon avis, c'est où le... Ah, c'est là. Voir... truc de combat, donc premier bataillon. Hey Choji, ouais, c'est vrai qu'on s'était laissé la dernière fois avec Choji qui ouvrait ses ailes de papillon, hein, ce qui rendait quelque chose de vraiment sympa. Alors j'espère que ça va être identique là et qu'il va surtout bien y péter la gueule un peu plus, même si c'était son sensei, c'est pas une raison. Il faut qu'il arrive à y péter la gueule. Madamada tekiro kazu ga oi. Shiroi yatsu wa mada ii. Edo tensei sareta shinobi ga yakkai da. Yatsura wo dou ni ka shinai to. Shouki wa. Suman, matasetta. Kitsu-san. Koko no tatakai ga mottomo hageshii to renraku wo uketa. Daini butai no ichibu wo engun toshite tsurete kita zo. Hoka no butai kara mo ikura ka sentou in ga maasare te kiteru hazu da ze. 正直助かります. Moi aussi, je suis soulagé qu'il y ait du monde qui arrive. どうした? 動きが遅いぞ, Choji. なんでこんなことになっちゃったんだよ? しっかりしろ! 覚悟決めたんじゃねえのか? 私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ! 分かってるけど 相手はアスマ先生なんだよ! 今の俺は敵でしかない。 死んでる人間だ。 Putain, on va revoir le combat. Je vais avoir arrêté trop tôt la dernière fois. Bon, je vais passer. Je vais passer, je suis désolé. On va voir un petit peu. Ouvrir l'inventaire, donc j'ai plus rien. C'est bien ce qui me semblait. On va le mettre comme ça. Alors, peut-être que j'ai fait une erreur en passant la cinématique, mais je vais quand même le tenter. Bento, on va prendre un petit bento, hein. D'accord. Lançons le combat. Je suis pas sûr d'avoir fait une erreur, hein, mais je me demande si je refais pas le combat qu'on a fait la dernière fois, tout simplement parce que j'ai arrêté juste après. Alors on va voir. Je sais que certains me demandent de faire des vidéos un petit peu plus longues. Le problème, c'est que je suis pas maître en fait de comment se passe le jeu. J'aimerais vraiment faire des vidéos plus longues, mais c'est pas forcément évident. Alors, pareil, je vais essayer d'utiliser un petit peu plus les différents combos que propose le jeu. Alors, je dis pas que je vais y arriver à chaque fois, hein. Mais déjà, essayez d'avoir un petit peu plus de diversité. Oh putain, là j'ai morflé. Bon allez, on va utiliser le soutien. Ouf, j'ai pas vu.
Ouais, là, il sert à rien, Shoji, autant être clair. Allez, encore une fois, on va changer de combo. Allez, Ino, à toi maintenant. Oh, bah, il l'a pris. Et je vais peut-être pas le finir comme ça, mais il l'a pris. Putain, j'ai toujours pas de disponibilité au niveau du truc. Putain, faut que j'y arrive. Allez. Ouah, j'ai pris cher, je vais essayer de le finir malheureusement avec une technique là. Ouais, bah j'ai morflé. Allez, on va le finir parce que sinon je vais mourir. Bon, alors j'ai réussi à y placer 2-3 combats, 2-3 combos, enfin 2 combos différents. Donc effectivement, hein, grâce à vos conseils, je vais essayer un petit peu de diversifier un petit peu plus mes combats. Hein, donc effectivement, c'est pas très compliqué. Il suffit, par exemple, pour les combos, on va dire classiques, il y a le fait d'appuyer plusieurs fois sur rond. Voilà, ça c'est le combo classique. Ensuite, vous appuyez 4 fois sur rond et ou le joystick gauche vers le haut ou vers le bas. Et puis derrière, vous enchaînez encore avec rond. Ça va faire des combos différents. Ça va l'envoyer en l'air. Vous allez un coup, ça va vous envoyer en l'air avec lui. Vous allez le balancer au sol. Vous allez le finir, par exemple, avec Naruto, avec un Rasengan. Voilà, il y a plein de petites possibilités comme ça. Donc, c'est quand même assez sympa. Bon, effectivement, j'ai bien fait de passer la première cinématique. もて。今日からお前も1人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。 仲間、お前の優しい男だ。だからこそ、誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持って。自然になんとなく変わっていくんだと思ってた。 大人になってけば、自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。長次。さあ、長次、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我、ここに誓う。 秋道16代目当主として15代目より託されし誓いを17代目へと成りゆくわらべへと託す。我、秋道長次は山中なら領一族を守り、木の葉を守るため、いざ、さなぎから京へと羽ばたかん。長次、そうだ、長次、その顔だ。 Ah ben voilà, on va pouvoir faire un deuxième combat. Ah, ceux qui me le réclamaient vont être exaucés. En plus, Shoji va être, je pense, en colère et ça va chier.
J'espère qu'il va être un petit peu plus efficace en tout cas que sur le combat précédent, parce que même quand je l'ai utilisé en soutien, ça a quand même pas été ça. Il est resté statique, faible, très faible. Allez, un autre combo. Boum! Oh oh, il m'a balancé, salopio. Allez, en l'air ce coup-ci. Ah, il faudrait que je le fasse au sol alors. Allez, au sol là. Ah, oh, mais je dois pas. Là par contre, j'appuie pas au bon moment. Ah oui, bien joué. Allez, à toi, Ino. Merci. Allez, ce coup-ci, ça devrait passer. Ah, en même temps, peut-être qu'il ne sait faire que celui-là. Ah, en plus, c'est bon ça. Un petit truc entre guillemets contextuel. Nickel. Placé quand même au bon moment. Voilà. Oh, j'ai eu un temps de réaction de moule atrophié là. Ok, ouais, voilà, fallait qu'il le prenne quand même. Oh, joli. Oh, il a la classe Azuma quand même. Azuma Sarutobi. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Allez, Shoji, voilà, il fallait frapper. Sore sai wario. Omae wa dare yori mo tsuyoi shinobi da. Ima wa dare yori mo jishin manman no ii kao shite yaru. Bien joué ça. Allez, maintenant faut le sceller les enfants. Wakare da na, Asuma. Shikamaru, Ino, soshite Choji. Omae ra ni wa mou nani mo yuu koto ga nai. Masa ni kanpeki na Inoshika chou datta. Sensei. Asuma. Asuma sensei. Ah oui, d'accord. J'étais en train de me demander ce qui se passait, mais... Yoku ganbatta na. Eh, ça y est, ils l'ont scellé. Donc, Azuma Sarutobi Don. Eh ben parfait, classe S, nickel. Hop, et regardez, deux épisodes pour un premier, du moins deux combats pour ce premier épisode, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode du lundi. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve demain pour la suite des aventures de Naruto. Allez, portez-vous bien et à demain, ciao, bye bye.